sommet de Showbuzz. Rosine Layot a remporté le Primus d'or. Wow. Il s'est passé beaucoup de choses au Parc des expositions hier, hein? On va parler de ça en long, en large et en profondeur. Merci. Décédée le 12 octobre dernier, Valérie du groupe Espoir 2000 a été inhumée samedi. Retour sur le dernier voyage du chanteur. Ce lundi, Abomey l'Éléphant est l'invité de Showbuzz. Prends ton tabouret, assieds-toi bien. Showbuzz commence tout de suite et maintenant. Le sage papouas a dit ceci. Ne fais pas attention à celui qui ne peut pas te dire les choses en face. Papouase, papouas, papoué, bonjour. Une nouvelle semaine de dépaporisation démarre. Et moi, je suis très heureux d'être en votre compagnie. C'est moi, DJ Mouloukoukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Excellentissimo, El Talentoso, El Capo, di tutti capi. Voilà. Allô? Allô? Et quand il y a Bérin? Et c'est comment? Et c'est combien? Nous sommes là ce lundi, premier jour de la semaine, pour, n'est-ce pas, entamer notre première session de dépaporisation. Et il n'y a pas de dépaporisation sans les membres influents de la Papouasie. Disons bonjour à madame la gouverneure de Barre City. À Karina style. Tajard. The Queen of Barre. Oh yeah. Ça va, Karina? Ça va, président. D'accord, t'es toute belle. Merci. Comme d'habitude. Hein. Ouais, toi aussi, t'es belle. Merci, merci. Ça va? Ça va, ça va. Ça va très bien. Chier. Le regard perçant. Chier. Traitant, méchant, envahissant. Sentant. Cachant. Mocossant. Frustrant. Énervant. Chantant. Ennuyant. my Oui, président. Bonjour, Mimi. Bonjour, président. Tu es toute en beauté. Merci, président. J'adore quand tu mets le noir. Merci, président. Jaune-noir. Ouais, jaune. Elle a mis un peu de rouge, là, ouais. Jaune noir. Ça va, Mimi? Ça va, président. Ça a été le week-end? Ouais, tranquille. Tu es tout beau ce matin. Merci, merci, merci. J'aime quand... Tiré. Ouais, je fais des efforts pour vous faire plaisir. Oh, jaune Afrique, mon bas. Respire. Oh. Laisse-moi te saluer. Oui, vas-y. J'ai un abdos, ça ne sert à rien. L'exonne pas d'eau. C'est pas possible. Oh, jaune Afrique, bon bas. Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par là-bas. Ozone, t'as pas 18 ans, hein? Tu mets ta poitrine comme ça. Tu penses que j'ai quel âge? Comment? Tu penses que j'ai quel âge? À 53 ans. J'ai pas 18 ans, effectivement, j'ai 17 ans. Oui, 17 ans, je sais. Tu auras 18 ans. À 53 ans. J'ai 18 ans en septembre. D'accord. 2025. D'accord. Ta tenue est très belle. Merci. Avec des fantaisies sur les côtés. Aussi, ouais, tu sais que... Jean Chéri à mon bras. Tu sais dans la vie... Tu sais, dans la vie, il faut se faire plaisir, il faut faire ce que tu aimes, tant que ça ne dérange pas les autres. Bien sûr. Ça nous dérange. Mais nous, on subit. Ça nous dérange, mais on est ensemble. Mais c'est pas vous la cible. Les cheveux ont poussé un peu aussi. Ouais, bien sûr. Je salue Chico Lacoste, mon coiffeur. Il m'a dit... Mouloukoukou a dit quelque chose sur le plateau, je n'ai pas aimé. Et Chico, c'est quoi? Il m'a dit que Mouloukoukou a osé te dire que ta calvitie est héréditaire. Je vais faire en sorte que tes cheveux poussent. Voilà, ça a commencé, ça a commencé. Il est un méchant. Merci Chico, Je souhaite un très joyeux anniversaire à ma petite soeur chérie. C'est notre bébé. Elle est journaliste, reporter d'image, JRI. Karine Cassi. La présidente du fan club de Philippe. Karine Cassi, on te fait un gros coucou, que Dieu te protège, te bénisse et puis passe une très belle journée, on t'aime. Et puis, je veux souhaiter un très joyeux anniversaire à une fidèle papouase qui est avec nous sur ce plateau. Elle a fêté 50 piges hier. Elle est là, elle s'appelle Marie-Michel, que je vous donne un applaudissement. Maman gâteau, maman lait, maman... Hein? Ouais. Maman beurre. La dame au bon cœur. Ouais, oui, c'est si. Bon anniversaire. Santé, 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 santé et que du bonheur. Et puis, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Onel Mala. Onel Mala, voilà, Onel Mala qui fête un an de plus, bon anniversaire. Et puis, je profite en même temps pour clôturer cette série de dédicaces en faisant un coucou à mes vieilles à San Pedro, Pelario, des Blazes, et puis Don Marco, et puis à toute la famille à San Pedro, portez-vous bien. Les filles, on va y aller ou pensez à quelqu'un, Karina? Allons-y. Oui, moi, je souhaite un joyeux anniversaire à Maman Eugénie. Maman Eugénie. OK, vous avez fait des vidéos ce matin. Oui. C'est la maman d'Irani Keke qui est ma grande sœur. D'accord. Voilà, joyeux anniversaire, la vieille, longue vie. Beaucoup, beaucoup de bonheur. On t'aime beaucoup. Mimi et toi? Moi, je veux juste saluer quelqu'un. Le Kaoré. Le Kaoré. Oui, merci, commissaire Auré. Merci beaucoup pour... Allez, c'est parti. Allô! Moi, je peux saluer quelqu'un. Très rapidement, monsieur, très rapidement. Je salue Tidiane Kone du Comptoir des Hommes. C'est lui qui m'a habillé pour les Primudes. C'est un monsieur qui est extraordinaire. Il fait un très beau travail. D'accord. Allô? Et quand il y a Béret? Il y a des papos. Et c'est comment? Yeah. Et je déclare ainsi ouverte la 46e session de dépaporisation de la saison 4 de Showbuzz. Bonne chance. Alors, sur le mur de la Papouasie aujourd'hui, et sur tous les murs d'ailleurs, les Primus de 2024, dont la cérémonie a eu lieu hier, ce dimanche, hein, dimanche 10 novembre, je suis déjà dans le futur. Coup de futur. 10 novembre au Parc des expositions. Alors, la grande info, c'est que Rosine Layot a remporté le Primus d'or. C'est la meilleure maison de production en ce moment. Merci Light Event. Merci à mon staff. Merci à mon staff. Merci à mon époux Choué El Capo, le loulou national. Merci. Alors, mérité ou pas, selon vous, est-ce que le sacre de Rosine Layot vous surprend, Karina? Non, pas du tout. C'est mérité. On sait tous que depuis... Il y a 3 semaines en arrière, elle était devant, en avance dans les votes. Okay. On voyait que ses élus, ses fans étaient vraiment pour ce trophée-là, pour ce prix-là. Ils voulaient vraiment lui donner ce prix-là. On voyait qu'elle ne lâchait pas. Et voilà, et c'est le résultat d'un travail et puis de l'amour. D'accord. Voilà. Mimi? Oui, Président. On sait tous que depuis l'année passée, Rosine Layot est très constante. C'est-à-dire qu'elle a des dates très chargées, elle est très occupée, des concerts sur concerts. Ce prix-là, elle le mérite. Elle a motivé, elle a formé, elle a appelé ses élus à aller voter. Ils ont voté. Elle a gagné le prix. Elle mérite. Félicitations. D'accord. Bonjour, la fille maman. OK. Rosine Layot, on sait que les gens l'ont vue pour la première fois à la télé et après, les gens l'ont adoptée sur le terrain à travers Bella Mondo. C'est une très grande chanteuse qui a fait ses preuves depuis 2021 avec Donnez-nous un peu. qui a traversé finalement le temps et même l'espace. Elle a enchaîné des concerts ici en Europe, même aux États-Unis. Elle a été, pendant 3 ans, elle a été très constante. Elle a enchaîné des hits, des millions de vues, des très très beaux clips. Alors, Rosine Layot n'a jamais tapé poteau, par exemple, en termes de concerts, de spectacles où elle est invitée, de sorties de clips, d'albums. Elle a fait des tubes tels que Aoué Nanampier, tels que La Même Chose, La Même Phase, Morofarima, Aloko, plein de tubes qui aujourd'hui continuent d'être diffusés sur les chaînes de télé et de radio. Alors, ce trophée, ce n'est pas qu'un trophée, c'est juste un couronnement d'un parcours de 3 ans, juste 3 ans, mais en 3 ans, elle a réalisé ce que certains n'ont même pas fait en 10, 20 ans. Ouais. Tu comprends? Simplement parce que c'est une passionnée. Dans la salle, personne n'était surpris. Personne n'était surpris parce que on savait que... c'est vrai qu'il y avait son challenger numéro 1 qui était Imra, mais même s'il n'y avait pas de vote, c'est elle qui, voilà, c'est à elle qu'on aurait quand même donné ce trophée, simplement parce que ça fait quand même 3 ans qu'elle est là, quoi. Ouais, j'aborde dans ton sens, j'allais dire la même chose. Même s'il n'y avait pas de trophée, on allait lui-même lui décerner un prix, parce qu'effectivement, la première fois qu'elle a apparu, la première fois qu'on a vu Rosine Layot, c'était au Primus, sa première prestation, et elle revient remporter... En 2021. Dans 2021, elle revient remporter le Primus d'or. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail acharné. Nous, on a développé ça ici sur le plateau. Quand on parle de Rosine Layot, dans ses spectacles, les spectacles ne se ressemblent pas. Elle a toujours la même énergie ou encore plus. Elle développe quelque chose de spectaculaire, de magnifique. Le travail, seul le travail paye. Et... vraiment, on n'est pas surpris, Primus d'or. Et ceux qui côtoient Roselyne te diront que c'est quelqu'un qui est très passionné au-delà de la vie d'artiste, c'est-à-dire sur scène et à la télé, dans les interviews. On connaît sa fougue, on connaît son énergie qu'elle dégage en public, mais en vrai, c'est quelqu'un, c'est comme ça qu'elle est en fait. Ce qu'elle fait là, ce qu'elle présente, elle ne triche pas. Mais, voilà, mais comme on le dit, hein, seul le travail paye. Oui, seul le travail paye. La constance, travail acharné. Et puis, nous, on est fiers d'elle. Alors, à côté de ça, il y a eu aussi la bataille entre Imra et Didi B. Finalement, chacun repartit avec un trophée. Comment vous réagissez, Karina? Vraiment, chacun repartit avec un trophée. On sait tous que les fans de Didi B, les fans d'Imra sont souvent en train de se marcher là-dessus sur les réseaux sociaux. L'autre dit que l'autre est fort que l'autre. L'autre dit que Imra est fort que Didi B est fort qu'Imra. Et là, c'est partagé. Quand ils vont aller faire leur discours là-bas, l'autre va dire que moi j'ai eu trophée, l'autre va dire que nous aussi on a eu trophée. Et voilà, on est là. Est dans la paix du Seigneur, c'est équitable. D'accord. Mimi. Oui, président. Il y a eu une lourde bataille dans la salle. Toujours. Tu sais, quand ils ont affiché les distinctions sur l'écran, j'ai vu des jeunes qui sont venus devant. Quand ils s'affichaient de Didi B, bien sûr, ils ont commencé à crier. Ah, quand on a affiché les nominés, c'est ça? Oui, les nominés, voilà, les nominés. Et quand Didi B a remporté le prix, les gens ont crié. Pareil pour Imra. Mais il y a un gars dans le public qui m'a étonné. Ça veut dire quand ils ont annoncé pour Didi B, il a crié, il avait dit Didi B. Imra aussi. Le chété où il a dit, mais lui, il aime la bonne musique. Voilà. Lui, c'est pas chété, lui, c'est un mélomane. En tout cas, on a senti que chacun avait ses fans dans la salle. C'était super. Oui, moi aussi, hein, vraiment, ça m'a fait plaisir de voir que Didi B et Imra aient eu un trophée l'un et l'autre. C'est ça, hein. Il y avait de l'adrénaline qui montait, c'était vraiment chaud dans la salle. C'est bien que chacun ait eu un trophée puis dans des catégories différentes. Ça, c'est vraiment bien. Aux zones Afrique, Bamba. Tu sais, cette cérémonie-là, il y avait les noms les plus attendus, c'était Didi B et Imra. Ouais. Et puis la cérémonie a été valorisée grâce au rap ivoire, en vrai. Parce que quand tu regardes tout ce qui s'est passé dans la salle... Roselyne Layot, par exemple, c'est Primus d'or, mais ça n'a pas eu autant de bruit que quand on prononce un nom d'un artiste du rap ivoire. Je suis d'accord avec toi. Oui, parce que dans la salle, on a cité des noms, des catégories, mais dès qu'on arrive sur le rap ivoire, il y a du feu dans la salle. Tu as vu que, c'est-à-dire que quand on a affiché, on a donné le nom de la catégorie, les gens commencent à se dépasser dans la salle. Juste parce qu'on a donné le nom de la catégorie, tu as senti du mouvement dans la salle. C'est l'expression de la puissance du rap ivoire en Côte d'Ivoire. Je vais t'expliquer quelque chose. Regarde. J'étais assis... Quand je parle avec... Quand Didi B a fini de prendre son truc, quand on se croise, tu vois... y a une énergie, tu vois. Comment? Tu l'as serré. Je l'ai serré, oui. Oui, j'ai vu. Il y a une énergie, on était quand on se croise comme ça, quand on se fait la collade là, c'est une... Il y a une communication. C'est une communication, il y a toute une histoire qui défile entre lui et moi, tu comprends? Il y a beaucoup de choses qui... En quelques secondes, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Marc Hénaré, je sais que tu as envie de dire beaucoup de choses. Oui. On va regarder ce que chacun a dit après la réception de son prix. Exactement. Voilà. La conspiration, faites du bruit pour vous, s'il vous plaît. Merci à tous les acteurs du rap africain. Je dédie ce trophée à ma fille. Parce que depuis qu'elle est née, ça fait au moins 2 trophées que je gagne. Je vais lui ramener ça à la maison. Alia, je t'aime beaucoup, ma fille. Je dédie ce trophée aussi à ma femme. Merci à toute mon équipe, à tous mes vieux pères nommés la Djibi, toute la team en ensemble. Tiba Diallo, ma manager, merci pour tout le travail que tu fais dans l'ombre pour moi. Ça fait le 29e trophée que je gagne depuis que je chante en solo. Je le dédie aussi à Kif Nomit. Rapidement! Toute la salle est en extase, en élubillution. H-I-M-R-A. La sphère musicale ivoirienne, c'est vraiment magique. Imra qui dit que je suis le nouveau boss. Didi B qui dit que je suis le nouveau boss. Non, non, il a dit lui le boss de la musique ivoirienne. Didi B a dit je suis le boss de la musique ivoirienne. Le nouveau boss de la musique ivoirienne. Et lui, il a dit le nouveau boss du rap ivoirien. Avec 29 trophées. Chacun décide où il va être boss. C'est tout. Karina, elle est boss où? De Guy Bérois. De Guy Bérois, Guy Bérois. On dit que je pense à Papouasie. Alors, Ozone, certains ne comprennent pas pourquoi le meilleur rappeur d'Afrique francophone, qui est Didi B, n'a pas eu le prix du meilleur rappeur ivoirien. Qui est Imra. Pourquoi il n'a pas eu le trophée? C'est Karina, moi je comprends pas. Effectivement, paradoxal, un peu paradoxal, oui, ce qui est normal. Parce que normalement, le meilleur rappeur d'Afrique francophone est le meilleur rappeur. Mais bon, comme ici, en ce qui concerne le prix, ce sont les votes. On sait tous, on connaît la fanbase de Imra, on connaît aussi la fanbase de Didi B. Donc, ils ont voté. Et pour Imra, peut-être dans la catégorie meilleur rappeur, ils ont remporté ce qu'ils ont voté. D'accord. Voilà. Mimi, tu penses la même chose? Oui, Président. Le meilleur rappeur de l'Afrique francophone, c'est différent du meilleur rappeur rap ivoire. Ouais. On sait tous que Imra, il y a longtemps qu'il a commencé, mais les gens le découvrent maintenant. S'il est le meilleur rappeur ivoire, rap ivoire, c'est bon, après, ça va venir un peu. Didi B a déjà eu ce prix-là. Il a déjà eu ce prix. S'il est meilleur rappeur francophone, ça conclut. Chacun est dans son couloir, chacun est à l'aise. Attention, c'est là que je vais t'arrêter parce que le président a eu 5 fois meilleur DJ platine. Mais c'est pas... Donc c'est parce qu'il a eu l'année passée qu'il ne peut pas avoir cette année. C'est pas pareil. Tu comprends? Quand il dit... C'est pas pareil parce que, tu comprends, là, il a fallu que chacun d'eux soit distingué, soit récompensé. On connaît tous qu'en ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe là qui n'est pas simple. Il fallait apaiser le cœur de chaque fan. Moi, je pense que c'est ce qui a été fait. Mais Mimi, est-ce que la Côte d'Ivoire ne fait pas partie de l'Afrique? Bon, la distinction, c'est rap ivoire. L'autre, c'est Afrique francophone. Mais c'est le rap ivoire? Non. La distinction est très différente. Bon, voilà. Bon, mais Côte d'Ivoire, là, c'est dans francophone? Je sais que ça est dedans. Ouais. Mais les autres pays, là, sont dedans, non? Mais est-ce que dans Rap Ivoire, il y a francophone, là, dedans? Non, moi... Ah, mon avis, c'est lusophone. C'est Rap Ivoire, c'est anglophone. Rap Ivoire, c'est chez nous, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, oui. Maintenant, l'Afrique francophone, c'est un autre truc. Genre, ça rassemble beaucoup de pays. Mais la Côte d'Ivoire est un pays francophone. Non, Moulou, on se comprend. Moulou, moi, je te comprends. Ce qu'il faut comprendre, simplement, c'est que chaque artiste a choisi sa catégorie. Parce que dans les communications, chaque artiste décide de où il veut gagner. Non, je veux raisonner plutôt. Parlons de Teto, c'était pour raisonner... Moi, je suis gamin. Mimi, est-ce que toi, tu la comprends? Mimi? Oui. Oui, vous pouvez... Celle-là, on peut la comprendre. Vous devez comprendre? Non, il faut qu'on la comprenne. C'est tellement... Il faut qu'on la comprenne. Elle dit que Rap Ivoire, là, c'est typiquement Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. Maintenant, francophone, là, ça, c'est ailleurs. Ça veut dire que... Pourtant, je vais te dire, c'est que dans cette distinction-là, ça veut dire que Didi B a réussi à traverser les frontières, aller partout avec sa musique. Est-ce que tu partages son avis? Selon moi, c'est ce que... Non. En fait, si on te donne cette distinction, il a ramené une personne à la fois. Mimi Blonde, en fait, ce que tu dis là, c'est ta raison, mais c'est pas la raison. Tu comprends? Oui. Donc, tu gardes ça. Je suis pas d'accord avec toi. C'est ce que je peux te dire. Pourquoi tu lui parles comme ça? Non, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Je suis désolée. Désolée. En vrai, je répète ce que j'ai dit. Oui. Je répète ce que j'ai dit, c'est que Didi B aujourd'hui, en vrai, il n'a plus rien à prouver, ni au Primus, ni à n'importe quel autre award, tu comprends? Il a dit, il a 29 trophées. Il a fait même un projet qui s'appelle Trophy Room, tu comprends? Alors aujourd'hui, Didi B a choisi de prendre ce trophée de meilleur rappeur francophone. Ouais. Donc, il a travaillé pour ça, il a communiqué pour ça, il a mobilisé sa fanbase pour ça. Et je ne te rejoins pas du tout. Hein. Et Imra, lui aussi, il a communiqué pour deux catégories. La catégorie Primus d'or et la catégorie Rap Ivoire. Ouais. Tu comprends? Donc, c'est Rap Ivoire, là, c'est ça qu'il a remporté, il a pu remporter. Et Rosine Layot a remporté le Primus d'or. D'accord, d'accord. C'est une question de cible. De cible, d'accord. Voilà. On respecte vos avis. Alors, au-delà des trophées qui ont été remis, comment vous avez trouvé la cérémonie, l'organisation, Karina? Moi, j'ai plutôt aimé. Je vais parler d'abord de ce que j'ai aimé. J'ai aimé l'emplacement, j'ai aimé la décoration, prêtez-moi le mot, là. Le dispositif. Le dispositif, merci. J'ai bien aimé ça. Sauf que ce que je n'ai pas trop aimé, c'est qu'il y a eu trop de désordre. D'accord. On sait tous que chaque année, Primus, il y a trop d'engouement. Donc, ça fait que les choses partent dans tous les sens. On avait les appareils qui déconnaient un peu trop. Mais ce que j'ai encore plus aimé, Moulou, c'est que... En fait, j'ai remarqué que chaque année, hein, chacun a son... C'est-à-dire que chaque année, un style de musique... À son temps. Il y a une année où, quand on dit Primus, on attend... Excusez-moi, je vais tellement exprimer ce que je ressens. Quand on dit Primus, les gens attendent de voir meilleurs artistes coupés décalés. Oui, Ils attendaient de voir. Quand ça arrive dans cette catégorie, tout le monde est branché. On veut voir qui va prendre. Mais aujourd'hui, là, c'est le Rap Ivoire. Dès qu'ils ont dit Rap Ivoire, tu vois que la salle est... Tu vois, tout le monde est comme ça. Et je vois que chaque année, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Et on a l'impression que... L'année passée, quand ils ont dit Team Péa, ils ont dit Tamsir, on appelait certains artistes, ça criait. Aujourd'hui, ça crie pour Imra. Ces mêmes artistes sont venus, on a appelé plein d'un trophée, mais tout le monde applaudit tranquillement. Ouais. Chacun a son temps. Ouais. C'est ce que j'ai vu hier. Il faut respecter ça. Il faut respecter ça. Mimi? Oui, Président. Comment tu as trouvé la cérémonie? Elle était très parfaite. Voilà. J'ai aimé, comme Karine a dit, le dispositif. Mais par-dessus tout, il y a quelque chose qui est sorti de l'ordinaire, c'est la bouffe qui a été... Oui, bien sûr, c'est très important. Mais vous voulez gâter mon nom pour dire que non, le président, il n'oublie pas ses gars. La bouffe, on est en train de parler des cérémonies. Oui, c'est très important. Parce que chacun était servi, chacun dans la salle. Vous voyez comment la salle est gaillarde. Flamasée. J'ai mangé à Tchéké poulet. J'ai mangé. Dans le tapis rouge, là. Maintenant, ce qui a été un peu bizarre, c'est la technique. À un moment, il y a le micro qui sifflait. Il y a, même pendant la prestation de Roséline, on n'entendait pas trop le son. Peut-être que c'était dû au fait que les musiciens étaient dehors. Parce que les musiciens n'étaient pas sur comment on appelle ça même? La scène. La scène, voilà. Ils étaient ailleurs. Donc peut-être que c'est ce qui a fait ça. Le temps que le son vienne dans les appareils. Il y avait un contretemps. À part ça, tout était magnifique. Sinon, Kais Bloom, il a fait un beau live, hein, quand même, avec malgré les... Oui, donc on parlait de la technique. J'ai aimé son live. Déjà, grosse première innovation, c'est le changement de site. C'est quand même le Parc des expositions, ce site aujourd'hui qui accueille les plus gros événements ici en Côte d'Ivoire. Et l'autre innovation, c'est la scène dehors. C'est-à-dire qu'il y avait un village Primus. C'était vraiment extraordinaire. À part des problèmes techniques, comme Mimi l'a dit, parce que c'est l'œuvre humaine, je pense qu'il y aura beaucoup plus de boulot. Parce que quand tu es sur un site pareil, c'est pas évident, c'est pas un concert simple. C'est une cérémonie de Primus, c'est plusieurs personnes qui montent sur scène, parfois à la fois sur scène. Donc c'est clair que c'est pas évident que ce soit parfait. On va être indulgent sur ce point, en espérant... On va être indulgent sur les manquements ou les insuffisances. D'accord. Parce que c'est l'œuvre humaine. Après, ça vient pour combler un vide dans cette cérémonie. D'accord. Et c'est super. Moi, pour aborder dans ton sens, la perfection n'est pas de ce monde. Hein. Je veux dire, il y a souvent des petits ratés. Mais il faut plutôt rester sur l'initiative. Hein. Toute l'Afrique francophone était braquée sur les Primus et c'est bien que les artistes ont été célébrés. C'est ça qui m'ont même... La cérémonie en elle-même, elle était vachement belle. Chacun connaissait sa place, les VIP, le public aussi n'a pas été négligé. Tout le monde était à sa place, tout le monde a été servi. Magnifique. Et puis, bravo une fois de plus à Moulin. Alors, on va faire... le point des lauréats aux zones. Alors, quelque chose qu'on peut avoir la liste, c'est possible d'avoir la liste des lauréats. Voilà lauréat 2024, Primus d'or, Rosine Layot, meilleur groupe Zouglou, les leaders, meilleur artiste coupé décalé, Didi Yema, meilleur artiste rap ivoire, Imra, meilleur hit de l'année avec Coup du marteau, Tamsir, prix de reconnaissance pour sa contribution à l'évolution de l'art et de la culture, Stony, meilleur web humoriste, Ségano. Ensuite, meilleur artiste rap Afrique francophone, Didi B, meilleur artiste émergent, Zadid The King, décoré à titre costume pour sa contribution à l'évolution de l'art et de la culture. À travers sa carrière exceptionnelle, Michel Boyeri, meilleur artiste de l'Ouest, Axel Merrill, meilleur dans la catégorie étoile montante du rap ivoire, Drea, meilleur dans la catégorie étoile montante du rap ivoire, bon, Drea deux fois, donc ça a été truc. Distingués pour leur carrière exceptionnelle dans les médias, Caroline Da Silva, Naomi Amoussou, Kadi Touré, New Style, manager confirmé. Meilleure femme d'art, Vital, meilleur chantre, Milo, distinction d'une carrière exceptionnelle, David Taïro, distinction d'une carrière exceptionnelle aussi, donc Ismaël Isaac, meilleur arrangeur, Nike Beat, meilleur feat urbain, Tamsi et la Team Péa, meilleur chorégraphe, Élisée Goli. Ensuite, Enfin, meilleur artiste tradi moderne, Aziz 47. Étoile montante, variété urbaine, Titi. Meilleur promoteur, Nama Boaké Production. Meilleur réalisateur de clips vidéo, Tura. Voilà, c'est le point des lauréats. Alors, réaction, Karina. Ils ont mérité, ils ont voté, ils ont mérité. Ouais. D'accord. Le mouvement comme ça, la voter, ça ne sert à rien de dire, mais pourquoi c'est lui qui a appris à voter? D'accord. Merci, Mimi. Ozone? En vrai, ça, on ne peut pas faire l'unanimité. Ceux qui ont gagné, c'est ceux qui ont mérité de gagner. D'accord. En tout cas, bravo à tous. Félicitations à Mola et M Group. Et puis rendez-vous l'année prochaine pour la 10e édition des Primus. Allons voir ce qui se passe dans Buzz News. Alors, Mimi Blonde, le dernier voyage de Valérie, Espoir 2000 a eu lieu ce samedi. Oui, Karina, décédée le 12 octobre dernier, Valérie a été conduite à sa dernière demeure. Ses amis, sa famille, ses parents, tout le monde était là pour lui rendre hommage à l'Agora de Koumassi. On a quelques images qu'on va regarder. Avant son inhumation, Valérie a été décorée. Dans la République, nous vous faisons officier de l'ordre du mérite culturel à titre posthume et nous confions à votre famille les insignes de votre grade. Valérie, merci pour tout. Va en paix. Va en paix, que Dieu protège ta famille. Tout à l'heure, Abomey l'Éléphant sera sur ce plateau. Avec lui, nous allons parler, nous allons casser les papos. Hein. Vous avez la possibilité de lui poser toutes vos questions dans le live Facebook de Showbuzz. Et puis, juste après l'émission, il va vous répondre. On va marquer la première pause. Et puis, tranquillement, on revient juste après. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Showbuzz. Et notre invité du jour est un poids lourd du rap ivoire, hein, au sens propre comme figuré. Et nous sommes très heureux en tout cas de le recevoir. Il est avec nous, Abomey l'Éléphant. Djibar. Abomey l'Éléphant, sois le bienvenu en Papouasie. La forme? Oui, super bien, ça va. Bien sûr, hein, Djibar. Toujours. Alors, puisque tu es là, nous allons filer tout de suite à Face à 3. Abomey l'Éléphant, c'est un pays que tu connais très bien. Je dois te rappeler que la règle d'or ici, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Toute la vérité. J'ai les J. Oh, alors, Abomey l'Éléphant, je veux qu'on démarre par ça. Quelle image vous donnez à la musique ivoirienne? Non, sérieusement, elle est nulle même. et puis ils vont te donner prix. Même combien ils vont pas être que lui-même. Quand vous dites le succès va pas tout le monde, c'est ça. Ils m'ont posé. Ils vont voir ça en film, tout le continent va se rappeler de mes anciens clips. Les photos vont se promener, Mogola, ça y est, même les hypocrites vont venir commenter RIP. Forcé un jour y'a déjà, un jour y'a m'en aller. Ceux qui m'entendent détester seront forcés de m'aimer. Les pasteurs vont raconter que Dieu leur avait parlé. D'ailleurs, envoyer son corps, on va le ressusciter. Ah, quand y'a déjà, c'est les papagnons, oh, oh, c'est les papagnons, oh, oh. Ah, quand y'a déjà, lorsque je m'en irai, dites à mes fans de sourire. Ah, quand y'a déjà, c'est les papagnons, oh, oh, c'est les papagnons, oh, oh. Ah, quand y'a déjà, quand Dieu reviendra pour chercher ses fidèles, la trompette sonnera. La trompette sonnera. Aïe, 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 aïe. Honnêtement, Ozone, je sais pas, j'ai pas encore fini. Je vais peut-être plus tard te présenter mes excuses hein, pour tout ce que j'ai pu dire. Mais ça, du rap ivoire. Alors, c'est ton nouveau projet, hein, baptisé quand je vais mourir. Quand je vais déjà. Quand je vais déjà. Ouais. C'est quoi cette histoire? En fait, c'est un titre que j'ai écrit depuis 2020, lorsque DJ Arafat est décédé. Donc, si vous suivez bien, j'ai pris les parties essentielles de son parcours ici, le fait qu'il avait eu des problèmes avec des chaînes télé, comme on appelle ça, les prophéties et autres. Voilà, mais donc il fallait trouver juste le bon moment et puis ressentir certaines émotions. Parce que j'ai expliqué ce que j'ai vu, mais... il fallait que je puisse ressentir certaines émotions aussi. En tant que peut-être un artiste qui prépare un concert ou bien qui est suivi, qui perd des fans, voilà. C'était tellement de choses. C'est bien pensé, voilà. C'est très réfléchi, c'est très intelligent. C'est très fort, mais lorsque moi je ressens, hein, c'est fort. J'ai du mal même à comprendre pourquoi est-ce que tu as scénarisé ta propre mort. Tu aurais pu faire ça d'une autre manière pour expliquer ce que tu as envie d'exprimer. Pourquoi est-ce que tu as scénarisé forcément ta propre mort? D'accord. Déjà parce que là, je suis dans la peau de l'acteur. C'est des faits de société, quoi. Donc, je me dis que je suis artiste. C'est vrai que d'autres diront, bon, on est en fin d'année, pourquoi est-ce que tu choisis ce genre de son? Alors que derrière, il y a un message fort. Il y a beaucoup qui refusent de comprendre, d'accepter la réalité. Mais derrière, il y a un message fort. Est-ce que tu as fait quelque chose d'abord avant de tourner ce clip? Tu as prié, tu as jeûné? Oui, tout le temps. Je suis tout le temps en prière. Et j'avais déjà prévu faire sortir ça environ 1 ou 2 mois avant mon concert. Longue vie, longue vie. Amen. Amen, voilà, longue vie. D'accord. Abomey, j'ai écouté la chanson. J'ai l'impression que tu exprimes un mal-être. Est-ce que tu as l'impression d'être mal aimé? Je suis habitué, on peut dire, parce que la plupart de ceux avec qui j'ai travaillé ont déjà vécu ça. Je sais que je ne suis pas le seul artiste à avoir traversé ça. Beaucoup d'autres vont se ressentir dedans. Peut-être qu'ils ont peur du public, mais arrivé à un moment donné, il faut que quelqu'un le dise haut et fort. Est-ce que tu as l'impression d'être mal aimé? Est-ce que tu sens ça? Non, pas du tout. Parce que déjà, je suis fier de ceux qui m'aiment. Voilà, ceux-là qu'on appelle les enfants, bien cette fanbase en vrai, ils sont tellement vrais et réels. Dites-vous que, même hier, je suis allé à l'hôpital voir un enfant parce qu'ils ont refusé qu'il parte à mon concert. Donc le père a dû imiter ma voix. Que non, si ça va, si tu laisses, on te fait les injections, tout. Je suis parti à l'hôpital, voilà. C'est sans arrière-pensée, quoi. Que le parent soit fâché ou pas, ils vont comprendre le message après. Les Ivoiriens ne sont pas méchants, mais je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Je suis tellement fier. Quand je me promène, je tourne et on me dit peut-être l'artiste des enfants. Ça me fait tellement plaisir parce que l'artiste des enfants est le plus fort, en vrai. Tu penses que tu es aimé seulement par les enfants ou... Par tout le monde. Ouais. Par tout le monde, parce que je me dis, quand un parent me voit peut-être à la station et il vient et dit « Ah, je veux faire une photo avec toi, je vais montrer à ma fille. » Bon, tu veux faire une photo? Mais il va toujours dire « C'est pour montrer à ma fille, c'est pour montrer. » Sinon, on ne garde pas les gens qu'on a dans son portable. En vrai. D'accord. Alors, Abomey, récemment, tu es allé en clash avec des internautes que tu as traités, entre guillemets, de moutons. Et bah, c'est clair, nous, on en a parlé ici sur le plateau, mais on veut avoir ta version des faits. Que s'est-il réellement passé? Voilà. En fait, j'ai posté le lien, si vous avez remarqué, de Viviane. des 5 grosses têtes du Cameroun. Et j'avais mis Jalimoticon sur mon poste, Jalimoticon où j'étais en train de rire. Voilà, donc le temps de faire une capture, parce que j'ai mis et Viviane. Donc pour moi, c'était une manière de couper la partie, faire un enregistrement d'écran. Et j'étais à l'intérieur du pays. Comme la connexion n'était pas bonne, le temps que le commentaire charge, quand on fait d'habitude des posts et on met voix en commentaire, j'ai vu qu'il y avait en 5 minutes, il y avait tellement de partage, mais je vérifie tout le temps. Il y a une application pour ça. Quand tu tapes le nom de quelqu'un, tu vois s'il a déjà commenté tes posts ou pas. Je vois que tous ceux qui sont en train de m'insulter, qui sont en train de partager, ce sont des gens qui ne sont pas abonnés à ma page. Et donc, j'ai laissé un petit commentaire pour eux. J'ai laissé un petit commentaire. Et comme on dit, la mauvaise information va plus vite. Parce que j'ai posté la fiche de mon concert ici. Je n'ai pas vu quelqu'un relayer. Mais là, tout le monde a commencé à partager, 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 partager. Et puis, ça a donné ce que vous voyez. Bon, est-ce que ce n'est pas les émoticônes qui ont induit les gens en erreur ou qui ont fait en sorte que... Tu voulais te moquer? Parce que dans les émoticônes, il y a flamme, lol et cœur. Voilà. Donc les gens ont compris que tu aimes le morceau, tu soutiens, alors qu'il y avait cette ambiance de clash. Bon, est-ce que c'est pas ça parce que bon, après moi aussi, je me dis que peu importe les actions que tu vas poser, ils vont toujours trouver quelque chose à dire, que ce soit bien ou pas. Et en vérité, par expérience, j'ai arrêté de faire des clashs de continents, de pays, parce que j'étais avec DJ Arafat. Un bon jour, on est rentré en clash avec la Guinée. J'ai bien clashé les gars. Et il est décédé. Des années après, je me retrouve en Guinée. Et c'était... Il y avait un festival. Et l'artiste phare du festival, il se trouve que j'avais posté sa photo, je n'ai pas dit son nom. Ils l'ont tellement insulté. Il m'avait même bloqué. Mais il a dit que si je preste, il ne preste pas. Bon. Et je n'ai pas presté. Voilà, je n'ai pas presté. Après, on a eu le temps de parler. Il m'a dit clairement... Donc, tu as appelé à aller à l'extérieur. Tu es un artiste, tu dois donner une bonne image tout le temps. C'est vrai que, musicalement parlant, c'est vrai, il y a une concurrence, mais ça reste le showbiz, quoi. Voilà, après ça, il y a un message derrière. On doit maintenir la paix. Non, tu devais bien te moquer. C'est-à-dire que toi, tu te moquais ou tu te moquais pas. Tu devais bien te moquer. Soit, mais ha, 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 ou bien laisser. Ouais. Okay. Mais bon, comme tu dis, je partage ce que tu dis. C'est ça, pour un artiste, il appartient à tout le monde. Ouais. Il appartient à tout le monde. On peut pas avoir des petites guéguerres. Ça reste dans le domaine musical, mais sans plus, hein, sans plus. Alors, tu penses que tu y es allé un peu fort? Si. Voilà pourquoi j'ai approché les parents du petit Ryan. J'ai rencontré la mère, on a échangé. On est même parti dans son école. J'ai parlé avec les éducateurs. On lui a fait une surprise et tout. Mm. Le petit Ryan, c'est qui? C'est le fils de qui? C'est le fils de la dame qui a partagé, disant qu'elle voulait acheter un ticket pour son fils, mais qu'elle n'achète plus. Et finalement, elle a acheté? Oui, elle dit qu'en vrai, qu'elle n'a pas de problème, parce que si elle avait un souci, je pense qu'elle n'allait pas nous recevoir, ni elle, ni le père et tout. Ah, ouais. Super. Donc, elle a pris le ticket? Dès que les tickets seront disponibles, parce que les tickets ne sont pas encore disponibles. Super. Effectivement, parlons de tickets, là. Tu m'as dit que depuis que ça s'est passé, on t'appelle pour... Si. La demande est montée. J'ai eu encore plus de personnes parce qu'on avait fait des précommandes. 2000 tickets réservés. Explique-nous un peu. En tout, parce que déjà, ce qui a fait qu'on a retardé avant la sortie des tickets, c'est qu'il fallait bien s'entendre avec les sponsors. Dans le parc, ils doivent profiter d'une visibilité sur les tickets. Donc, on a fixé une date bien précise. Mais déjà, il y a plusieurs personnes même qui envoyaient de l'argent au staff, à l'équipe, pour réserver leurs tickets. Il y a d'autres aussi qui préféraient attendre. Mais on s'est retrouvés là à environ 2000 tickets. 2000 tickets. Donc, ça fait que moi-même, j'ai demandé un peu à l'organisation de doser. Parce que dès qu'on va commencer la promo terrain, il y a plusieurs personnes qui attendent. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation où 4000 tickets sont déjà terminés. On a besoin de satisfaire. Ah bon, mais finalement, ce clash avec tes fans, est bénéfique pour toi? Oui, c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Mais franchement, je suis quand même content parce que c'est une belle expérience pour moi et ça m'a permis de savoir qui est là, pourquoi, qui m'aime ou pas. D'accord. Ok, Abomey, parlons de ton conseil. À quel moment tu t'es dit, il faut que je le fasse, c'est le moment? Ça a été quoi le déclic? Parce que, en vrai... Lorsque j'ai analysé, j'ai vu que pas mal d'artistes faisaient des concerts. Et je me dis, mais le contenu du concert, là, c'est quoi, en fait? C'est de montrer qu'on a le talent. C'est de montrer peut-être qu'on a des personnes derrière. Ou c'est quoi? C'est d'accomplir des choses. Donc, avec mon équipe, et il y avait plusieurs organisateurs, même mon vieux père Siro, il m'a approché une première fois. Bon, j'avais un peu peur lorsqu'il m'a approché. Quand on parle, qu'il me parle de concert, j'hésitais un peu. Mais après, il m'a fait comprendre beaucoup de trucs. Ça dit que tu es artiste, tu ne viens pas pour envier la fanbase de quelqu'un. Peut-être que beaucoup ignorent aujourd'hui, mais on ne court pas sur les mêmes terrains, en fait. On ne court pas sur les mêmes terrains. Tu as tes spectacles. Il y a d'autres peut-être qui ne me voient pas du lundi au vendredi, mais ceux qui me rencontrent dans les événements, ils savent. Donc, tu as ta fanbase, tu as ceux qui t'aiment. Donc, c'est avec eux que tu dois avancer. Finalement, qui organise le concert? Je suis en co-organisation avec M. Diabaté, un homme du showbiz. D'accord. Magnifique. Alors, comment ça va se passer? Et puis, ça sera où déjà? C'est au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture, à la 4000? Ouais, 4000 places. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer? Abomey l'Éléphant en concert. Tu rappelles la date aussi? Oui, 27 décembre, c'est un spectacle live. Voilà, c'est en live que ça va se passer. Il y a des choses, au fait, qui ne s'expliquent pas, ça se vit. Et je pense que lorsqu'on parlera de nouvelle génération, ce sera sûrement le plus gros concert, la plus grosse performance. Bravo. Le concert, c'est le lendemain du concert de Imra. De Imra, oui. Imra, c'est le 26. Est-ce que tu n'as pas des appréhensions? Non, je n'ai pas de soucis. Moi, quand je suis parti pour réserver, tout le monde voulait que je prenne le 26. Et j'ai refusé par rapport à plusieurs choses. Déjà, je ne voulais pas être dans l'ombre de DJ Arafat. Et je ne voulais pas que les gens se disent que... Dans l'ombre de DJ Arafat, parce qu'il faisait les concerts chaque 26 décembre déjà. Je ne suis pas venu pour lutter ces concerts, ces fans. Ouais. Je ne suis pas venu pour lutter ces fans, ou bien que ces fans viennent par compassion. C'est ce que je veux faire comprendre aux gens. Tu viens, c'est que tu aimes soit peut-être l'artiste, le personnage ou quelque chose, mais pas à cause soit de son mentor. Et voilà. Et après aussi, je me suis dit que ce 26-là, comme chaque année, il y a beaucoup d'artistes qui vont essayer de faire des concerts. Donc, voilà. D'accord. Ozone? Abomey, je vais prendre l'avis des Papouas. Je vais demander aux Papouas ce qu'ils pensent de toi. Papouas du Nord et du Sud. Oui. Je commence par la Papouasie du Nord. La Papouasie du Nord. La Papouasie du Nord. Qui a envie de se prononcer sur, sur Abomey? Oui. Quelqu'un veut dire ce qu'il pense d'Abomey? Toi, tiens. Quand on dit allô, il y a Béret, puis il y a Cameroun. Qu'est-ce que tu penses d'Abomey? Tu te présentes, tu dis ton nom, bien sûr, et tu dis ce que tu penses d'Abomey. Bon, je me présente. Tu regardes la caméra là-bas. Je me présente, je suis Paul Otignel et je connais déjà Abomey l'Éléphant. Je pense que c'est un artiste, rappeur, en tout cas, un vieux père, il est fort il y a longtemps. C'est ça. Tu seras à son concert? Hein? Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Faut payer ticket. Hein. Tiens, que penses-tu d'Abomey l'Éléphant? Abomey l'Éléphant, je pense que c'est un bon artiste. Faut rapprocher le micro de la bouche. Depuis un certain moment, je remarque qu'il fait beaucoup amuser les enfants, mais pas que les enfants, aussi les grands, même si c'est cash pour danser, mais je vois qu'il amuse la galerie, donc c'est cool, quoi. Super. Je vais en Papouasie du Sud. Je vais voir qui... Tiens. Ouais, toi, tu veux parler? Ok, d'accord, vas-y. Tu te présentes et tu dis ce que tu penses d'Abomey l'Éléphant. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Yaïf. Abomey l'Éléphant, je l'aime bien, j'aime bien sa musique, tout ce qu'il fait. Faut rapprocher le micro de la bouche. C'est bien, ça fait danser la galerie. Bon, moi, je voulais savoir pourquoi avoir changé de style de musique. Soit il veut faire les deux ou il veut s'adapter sur une. Quand tu dis les deux, tu parles de quoi? Les deux là. Parce qu'au départ, il a commencé par le rap. Voilà, maintenant, du coup, il a changé, il allait en Biama, je sais pas, Biama décalé ou un truc comme ça. Bon, ok. Abomey va répondre en même temps. Bon, bien sûr. Que je donne le micro à l'autre personne. Je pense que cette réponse-là, il faut que je donne cette réponse-là peut-être d'ici l'année prochaine. Parce que si je donne le pourquoi, ça va créer encore d'autres soucis, d'autres problèmes. Mais pourquoi l'année prochaine? Si. Quand j'aurai accompli au moins mes 3 salles. Et pourquoi ça va créer des problèmes? Parce que c'est une question de, comme on dit, de stratégie. C'est trop de choses. C'est trop de choses. Voilà. Tu es devenu comme Black Arthur, l'homme étrange. Ils vont comprendre avec le temps. Tu as parlé de 3 salles, ce sont lesquelles? J'aurai le Palais de la Culture, salle à Noumambo, après Palais des Congrès, le Palais des Sports, pardon, et puis on va aller au Parc des Expositions. Au Parc des Expositions. Oui. Une dernière, et tout ça en 2025? 2025. Tout ça en 2025? Ouais. Une dernière réaction. D'accord. Vas-y. Moi, je me nomme Kwaku Léon. Je pense que Abomey l'Éléphant, il y a longtemps, il le suit. J'aime sa manière de faire la musique, amuser un peu le public, les enfants, surtout les enfants. Donc, je l'apprécie très bien. J'aimerais qu'il continue ainsi. D'accord. Ce que je retiens, Moulou, c'est que Abomey fait danser la galerie. Ouais. Il amuse la galerie. La galerie, il amuse les enfants. Vous aussi posez toutes vos questions à Abomey l'Éléphant, notre invité du jour. Et juste après l'émission, il va vous répondre. Quant à nous, on marque une autre pause et puis on revient juste après. De cette émission, notre invité du jour est le Digba, le loup, Abomey l'Éléphant. Il a son concert le 27 décembre, hein, au Palais de la Culture, à la 4000 places. On a de gros talents en Côte d'Ivoire et ça fait vraiment plaisir. Alors, on va gâter un peu le coin. Gâte le coin. Le lion blanc, Yohan Nyamke, Monsieur Batayoko, chef d'entreprise, Wari Foufafou, le londonien, 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4, oh papa, amusement pyjama, petite leçon de grande-mère, ololo ilala, Charlie Dosso, les bonbons sont pas des les bonbons sont pas des pyjama, amusement de pyjama, amusement de pyjama, amusement de pyjama. Yeah. Il y avait, accordez-moi, dans tous les palais dans ça. Ça finit pas. Ça finit pas. Abomey, il faut que tu désignes le gagnant. Ah. Ouais. Là, c'est chaud, hein. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux, hein. Eh. Ah. Bon. La balance. Ah, tu regardes mal les gens. Hein. Non, c'est fini. Okay. Il est grillé. On va maintenant se former avec Ozone Afrique Bamba. Show news. Okay. Ils sont actuellement en Europe pour une tournée. Ils sont en train de faire le tour de toutes les villes européennes. Ils sont à votre disposition. C'est notre Team Péa, la Team Péa qui se présente aujourd'hui comme des ambassadeurs de la culture urbaine en Côte d'Ivoire. C'est des artistes, vraiment au sens propre du terme. On a des images d'ailleurs de ce qu'ils ont réalisé ces derniers jours. Bravo, bravo à la Team Péa. Ils sont en Europe. Vous pourrez les contacter sur leur page quand, si vous avez besoin d'eux pour vos événements. Merci aux Jeunes Afrique Bamba. Salut en même temps Samo qui m'a écrit hier. En tout cas, big up à vous les gars. Abomey, tu penses quoi de ce que la Team Péa réalise en ce moment? Oui, c'est top. On ne peut être que fiers parce que aujourd'hui, grâce à eux aussi, on arrive à avoir des spectacles où peut-être quelques années en arrière, on n'arrivait pas. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Alors, quels sont tes projets à court ou long terme? Déjà, Abomey l'Éléphant, je prépare le concert. Il y a la sortie de mon album et d'autres salles encore, quoi. Je reste concentré sur ça. Il y aura des collaborations? Oui, plusieurs collaborations. Plusieurs de différents genres? Oui, de différents pays. D'accord. Écoute, nous, on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup. Tu sais que tu peux compter sur nous. Merci à vous, les Papouas. Chaboulana, merci à vous. On a pris beaucoup de plaisir à partager ces moments. Moi, je vous laisse en compagnie d'Abomey l'Éléphant. D'ici là, portez-vous bien. À demain. Peace. Alors, donc, le morceau qui va venir, c'est quoi? Tu nous chantes quoi? Voilà, voilà. On va s'en film, tout le continent va se rappeler de mes anciens clips. Les photos vont se promener, mon gars l'a asaillé. Même les hypocrites vont venir commenter RIP. Forcé un jour y'a déjà, un jour y'a m'en aller. Ceux qui m'entendent détester seront forcés de m'aimer. Les pasteurs vont raconter que Dieu leur avait parlé. D'ailleurs, envoyer son corps, on va le ressusciter. Ah, quand y'a déjà, c'est les papagnons, oh, oh. C'est les papagnons, oh, oh. Ah, quand y'a déjà, lorsque je m'en irai, dis à mes fans de sourire. Ah, quand y'a déjà, c'est les papagnons, oh, oh. C'est les papagnons, oh, oh. Ah, quand y'a déjà, quand Dieu reviendra pour chercher sa fidèle, la trompette sonnera. La trompette sonnera. La trompette sonnera. La trompette sonnera. Apparemment, toutes les radios parlent de moi. Pourtant, pour un simple passage, ils m'ont dit on, on. Ils diront qu'en vérité, c'était moi, le roi, faisant semblant de télécharger mes chansons. Non, ce n'est pas un drame. L'enfer, c'est la vie. La trompette a sonné, la mort, c'est le paradis. Ils m'ont fait tant de mots, donc loin de la guerre. Je repose en paix comme le colo sur le placard. Lit, donc le jour, il est déjà. Enterrez-moi avec un peu de mon argent. Je dois faire le boucan, changer habit. Mon micro, ma guitare, c'est le retour de l'ange de la musique. Dans les cieux, j'ai aussi des fanatiques. C'est que la vérité, ne prenez pas en mal. Il sera content pour venir faire sonner mon portable. Pour l'instant, si tu reconnais mon talent, n'hésite pas à partager. Merci à tous ceux qui m'aiment. Ah, quand y'a déjà, c'est les papagnons, oh, oh. C'est les papagnons, oh, oh. Ah, quand y'a déjà, lorsque je m'en irai, dis à mes fans de sourire. Ah, quand y'a déjà, c'est les papagnons, oh, oh. C'est les papagnons, oh, oh. Ah, quand y'a déjà, quand Dieu reviendra pour chercher ses fidèles, la trompette sonnera. La trompette sonnera. La trompette sonnera. La trompette sonnera. Merci à tous ceux qui m'aiment. Merci à ceux qui ne m'aiment pas. Merci à tous ceux qui me boycottent sans raison. Un jour on se reverra. Merci à ceux qui me soutiennent. Merci à ceux qui me détestent. Merci petit et tout puissant se souviennent de vous quand il y a Dieu. Merci, merci. Quand Dieu reviendra pour chercher sa fidèle, la trompette sonnera. Oh, oh, Kyrie, oh, oh, Kyrie.